m'appelle Bérénice Roland, j'ai 27 ans, je suis en reconversion professionnelle pour devenir journaliste et je vais vous parler de moi en 3 étapes. D'abord, mon parcours. J'ai toujours aimé et voulu écrire, j'ai donc commencé par des études de littérature avant de bifurquer à la fac où j'ai fait une licence de géographie. À l'époque, j'étais donc un mixte entre ça et ça. Puis, j'ai continué par un master en école de commerce avant de m'expatrier. J'ai donc vécu un an au Pays de Galles où j'ai pu perfectionner mon anglais. Depuis, j'ai pas mal baroudé. En parallèle, j'avais déjà mis un pied dans le journalisme grâce à une de mes connaissances qui m'a donné l'opportunité de pouvoir aller sur le terrain, faire du montage ou encore manipuler une caméra professionnelle, ce qui fut un déclic. De deux, mes passions, la photo argentique qui me permet de poser un regard différent sur le monde et les voyages de l'Israël au Vanuatu en passant par la Nouvelle-Zélande, mais attention, pas n'importe lesquels, des voyages en autonomie avec sac à dos pour simple bagage et à la rencontre des locaux. Au cours de mes voyages, j'ai pris conscience de l'impact de l'homme sur son environnement et de l'urgence climatique. D'où mon troisième point, mon intérêt pour l'écologie. Alors nous voilà dans ma cuisine. Donc vous voyez, il y a énormément de bocaux. J'achète en vrac. J'essaye d'acheter aussi le plus possible en seconde main. En fait, c'est une démarche zéro déchet qui est globale. C'est un changement de ma manière de vivre, de ma manière de consommer. Je suis également bénévole dans des associations environnementales, le REFED, Zero Waste, France Nature Environnement, pour lesquelles j'écris des articles et des interviews. Maintenant que vous en savez un peu plus sur mon passé, sur mon présent, je vais vous parler de mon futur. Après mes 2 années de master, j'aimerais devenir journaliste spécialisée en environnement ou bien journaliste scientifique. Ce qui me motive, c'est de pouvoir me sentir utile, pouvoir aider les citoyens à appréhender des sujets aussi complexes que le changement climatique. Mon rêve professionnel, ce serait de pouvoir travailler pour des magazines tels que Kaizen, ou bien La Recherche, ou bien encore des sites d'information en ligne comme Reporter. Vous l'aurez compris, je suis plus que motivée pour intégrer votre formation Master Journalisme et Médias Numériques au sein de votre Université de Lorraine.